Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour la dernière pousse de Moriconic. Conic, hein, pas Esculenta et Vulgaris qu'on va traquer sous peu. Voilà, trouvez les morilles. Il y en a deux sur ce plan, elles sont faciles à voir. Alors, il y a du chêne kermès en face des morilles, à 1 mètre, et à 1 mètre derrière les morilles, du chêne vert. Pas compliqué ce biotope, et il est assez dégagé. Les morilles que je suis allé arroser par 3 fois. Ouais, vous rêvez pas, je pars avec ma bouteille d'eau, je les arrose. Car le temps était tellement sec qu'elles n'auraient pas grossi, elles seraient restées minuscules. Il n'y a aucun intérêt à manger ça. Voilà. Donc le biotope, vous avez vu, je vous l'ai dit, hein, c'est un peu habituel. D'ailleurs, vous voyez les feuilles à terre. Il y a du chêne blanc pas loin, mais c'est parce que les feuilles se sont envolées, hein, sur le spot là. Sinon, on est sur Kermès. Et chêne vert essentiellement. Voilà les amis, sur ces belles images que je me régale à filmer la morille, je vous dis rendez-vous très bientôt pour morcher la vulgaris et morcher la esculenta qu'on va rechercher dans un autre biotope. Je vous expliquerai les essences d'arbres essentielles où les trouver. Et bien, quand moi-même j'aurai trouvé ces morilles, je pense que ça va le faire cette année. Je vous ferai le point. Ciao, ciao.